Grâce à cette méthode, tu vas pouvoir récupérer le même véhicule que ton ami à l'identique dans ton garage. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la vidéo. Eh bien, salut tout le monde, c'est Necro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA Online, comme tu l'as bien vu au début de la vidéo. Comment récupérer les véhicules de son ami très facilement et rapidement, sans aucun prérequis, sans aucun bug. Donc, sans ce bug, etc., sans OTR, etc. Bref, on va voir tout ça dans la vidéo. C'est parti. Mais avant toute chose, je t'invite à lâcher ton meilleur like, de t'abonner à la chaîne YouTube. C'est gratuit, ça prend 2 secondes, car vous êtes plus de 86% à regarder les vidéos, mais vous n'êtes pas abonné. Donc, je vous invite à le faire. Je remercie à tous ceux qui me soutiennent. Quelque chose qui a rien à voir avec la vidéo, n'hésitez pas à me soutenir dans la boutique Fortnite pour ceux qui jouent au jeu. N3C€ dans la boutique, merci à tous ceux qui me soutiennent. On va passer à la méthode, c'est très simple les gars, c'est vraiment très très facile, il faut être forcément 2 pour cette méthode. Parce que vous allez récupérer le véhicule de votre ami, mais vous avez aucun besoin de prérequis à part un petit peu d'argent et forcément avoir la carte membre du VIP. Vous allez comprendre pourquoi, donc je vous montre bien qu'on est bien en 1.68 et c'est bien fonctionnel. On va commencer la technique, donc c'est très simple, faudra être au salon LS. C'est très simple, donc en gros, je vais vous montrer sur la carte où ça se trouve et avoir le véhicule que vous voulez récupérer. Vous regardez bien où ça se trouve, vous allez rentrer dans le salon LS, mais avant, petit prérequis pour ceux qui veulent récupérer le véhicule, il faudra aller voir la dame qui se trouve au niveau du camion. En fait, ça fait un petit van un peu violet. Faudra acheter la petite carte membre en fait qui se trouve là et prendre la prise de contrôle si vous êtes plusieurs pour récupérer les véhicules. Voilà, franchement, c'est pas compliqué, c'est juste les simples prérequis qu'il va falloir pour cette méthode. Voilà, et un petit peu d'argent et le véhicule de votre ami, comme je l'ai dit juste à l'instant. Ensuite, du coup, la méthode, c'est très simple. Vous allez vous approcher du véhicule que vous voulez récupérer, vous allez l'acheter et en fait, vous allez faire carré et accepter. C'est la méthode que j'utilise dans tous les lives en ce moment sur TikTok et forcément sur YouTube. Quand vous avez acheté le véhicule, vous le mettez dans votre garage comme je viens de le faire et on va attendre justement le petit message de AO justement pour nous dire que la livraison est bien confirmée et qu'en gros en fait le véhicule a bien été livré. C'est en gros, c'est vraiment pas compliqué, c'est très facile, rapide, efficace, pas besoin de bug, de se prendre la tête. Le seul hic, c'est d'acheter le véhicule et en gros forcément dépenser un peu d'argent, mais vous l'aurez exactement à l'identique dans votre garage. Vous allez bien voir en fait que quand je vais appeler le véhicule, quand je vais recevoir le message, j'ai bien exactement le même véhicule que mon ami. Regardez bien, j'appelle le mécano, j'ai reçu le petit message d'AO. Voilà, on va récupérer la petite Trax qu'on vient d'acheter avec le motif caché de la nouvelle collection qu'on a faite, justement qu'on a été importé. Là, c'était vraiment juste la méthode pour comment vous voulez récupérer. Vous êtes beaucoup à me le dire et à me demander comment il faut faire. Voilà, c'est exactement le même véhicule, les mêmes jantes, tout est non coché, la même couleur, la même plaque, bref. C'est du plaque propre pour aussi ceux qui veulent revendre les véhicules parce que vous pouvez les revendre vu que c'est du plaque propre, parce que regardez bien que les deux plaques sont différentes. Voilà, franchement, la méthode est terminée. C'est vraiment pas compliqué, très facile et rapide. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas du coup à liker, de partager, de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications. Merci à tous ceux qui le feront. Bref, sur ce les gars, c'était Necro. Ciao tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo prochainement. Bref, sur ce les gars, c'était Necro. Ciao.